Je me permets de vous recommander le canard à la rouennaise. Veuillons, veuillons. Le canard à la rouennaise, le rôti de sanglier au velours. Au velours. Au velours. Ah oui, le rôti de sanglier au velours. Le lapin à la cabriole. Ouh, la cabriole. Bonjour à tous les gourmands et gourmandes, j'espère que vous allez bien cette semaine. Cette semaine justement, on reste à Paris où je n'ai ni rencontré un chef, ni une personne qui exerce un des beaux métiers de bouche, mais un homme qui murmure à l'oreille des chefs. C'est Sébastien Ripari, fondateur du bureau d'études gastronomiques, une très belle rencontre entre deux Sébastien. À 17 ans, Sébastien Ripari décide de pousser la porte d'un restaurant gastronomique pour commander uniquement une salade. Le premier d'une longue série, car ce mordu de la gastronomie est depuis plus de 25 ans le conseiller, le consultant culinaire et l'ami privilégié des grands chefs. Il court partout, Sébastien. Il connaît tous les grands chefs en passant par New York et Marseille. On dit de lui que son talent est fait d'honnêteté et de franchise. Quand c'est bon, il le dit. Et quand il y a des erreurs, il le dit aussi. Depuis peu, il a sorti un livre, Voyage dans les coulisses de la gastronomie, pour dévoiler justement les coulisses de ce milieu fascinant. Mais au fait, qu'est-ce qu'un consultant culinaire? Eh bien, je vous laisse écouter mon popotage avec Sébastien Ripari, l'homme qui murmure son amour pour les chefs, la gastronomie et en beaux produits. Alors, Christian parle du livre « L'ami des chefs ». Bon alors, en quelques mots, ton opinion sur ce livre? Ah ben c'est un livre, l'ami des chefs, bien écrit par mon ami déjà, Sébastien Ripari. Mais au-delà de ça, c'est une expertise ce livre sur les différentes évolutions de la cuisine, qui je trouve est très pertinente. Il analyse un peu les tendances, les nouvelles générations de chefs, les anciennes générations, comment évolue la gastronomie, la bistronomie. Voilà, c'est un livre pour moi très complet et qui sort un peu des livres où quelqu'un va taper sur quelqu'un, etc. C'est pas du tout ça, c'est une analyse complète de l'évolution de la restauration, des chefs, de la façon de penser, de cuisiner. Une vision étrangère aussi. Voilà, c'est quelque chose, c'est un livre qui est très bien fait et que je conseille à lire à tous les cuisiniers déjà, qui démarrent ou même qui ont de l'expérience, parce que c'est une belle expertise. Et puis pour le grand public, voilà, pour le grand public qui a envie, qui reste beaucoup Top Chef, etc., qui veut rentrer un peu dans ce monde de la gastronomie, je trouve que c'est une belle fenêtre pour rentrer et comprendre un peu notre métier et les tendances. Voilà. Je pense que Seb, il a fait un vrai travail et un livre très plaisant à lire. Quand on met le nez dedans, on le bouquine rapidement. On veut arriver, on veut tourner les pages, on veut comprendre. Voilà. Ça s'arrête là. Voilà. Bravo Seb. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. J'adore ça. Alors hier, quand j'ai travaillé notre rendez-vous, j'ai lu que tu as passé la classe libre du Tour Florent avec un certain Gad Elmaleh. Oui. D'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, il y avait une émission d'Hanouna qui s'appelle La Grosse Charriade. Ouais. Et il y avait la première télévision de Gad. Et on voit un jeune homme avec une queue de cheval. Sur cette image, sur ce petit film qui donne la réplique à Gad, et c'est moi, voilà. Ouais, je suis arrivé en 92 à Paris, et on est tombé très copains avec un jeune Marocain qui arrivait de Montréal, ouais. et voilà, et c'est devenu un copain de théâtre. On est toujours en contact évidemment avec Gad, et je suis aussi très pote avec Judith, sa sœur. C'est un souvenir des années 90 parisiennes, au tout début d'une autre vie, encore une fois. Ok. Alors, peux-tu nous raconter en quelques minutes ton histoire avant d'être l'ami des chefs étoilés? L'histoire, elle commence évidemment en 1969 à Genève, où je suis né, où j'ai grandi, avec une réelle passion, je dirais, sur la cuisine. Ça, c'était assez drôle. J'avais une maman
les moyens financiers n'étant pas forcément extrêmement élevés, ouais. La classe moyenne suisse, elle était extrêmement brillante dans la façon de nous faire à manger des choses complètement différentes à chaque repas. Donc on pouvait voyager avec elle avec un sukiyaki japonais, et puis le soir on avait une tarte au fromage suisse, on avait de la cervelle, on avait du foie, enfin tout ce qui était bas morceau, évidemment, coûtant moins cher, elle le cuisinait. Et elle n'avait aucun tabou pour faire à manger à sa famille. Et indirectement, j'ai eu une culture, on va dire gastronomique, mais j'ai eu une culture ouverte sur l'esprit de pouvoir changer de pays, changer de continent, changer d'histoire à chaque repas. Et puis, j'ai décidé à une époque de me mettre à cuisiner également. Donc, d'accord. J'avais commencé à prendre ces fiches recettes quand je devais avoir une dizaine d'années. Et j'ai commencé à faire les repas, très fier de faire mes repas. Et ma maman m'a dit, écoute, un grand chef, c'est quelqu'un qui va aussi régulièrement faire ses courses. Donc, elle me donnait un budget pour aller faire les courses et je devais créer mon repas. Évidemment, on était toujours dans une dichotomie parce que moi, je voulais faire des choses hors de prix très bonnes. Déjà. On n'avait pas les moyens. Mais du coup, j'ai commencé à cuisiner comme ça. Et fort de cette créativité reconnue par ma famille, je les obligeais à dire 15 fois que c'était absolument délicieux, évidemment. Je me suis lancé dans des créations culinaires personnelles jusqu'à la fameuse réalisation de pâtes cuites au vin rouge qui ont mis la fin à la partie culinaire. Ensuite, ça a été des rencontres, ça a été plein de choses, jusqu'à un premier restaurant à 17 ans où j'avais envie de m'offrir un bon restaurant, voir ce que c'était, avec une expérience assez ludique que j'explique dans le livre sur la salade, les seuls moyens que j'avais, c'était une petite entrée de salade. Puis ensuite, je suis parti à Paris pour totalement autre chose, et en arrivant dans cette ville, j'ai découvert la capitale d'une grande gastronomie. J'ai rencontré les cafés, j'ai rencontré les restaurants, j'ai rencontré les petits bougnias du coin. Je me suis attablé avec eux, j'ai discuté et rapidement, je me suis fait des amis en chef qui avaient besoin d'avoir un regard différent sur leur cuisine, même pas un amateur éclairé, juste un être humain qui leur disait ce qu'il pensait. Et puis on échangeait souvent gamelle contre conseil. Ça s'est fait simplement par amitié, par rencontre, comme ici aujourd'hui chez Christian Etcheveste. C'est, tu arrives, tu vas dans les cuisines, tu rigoles, il te fait goûter quelque chose, son chef m'a fait goûter une béarnaise ce matin, on discute, on donne son point de vue, et puis on reste, alors pas aujourd'hui, on n'a pas le droit, mais on restait manger, on partageait. Ouais. Et puis le réseau s'est fait comme ceci, et puis avec peut-être une façon que j'ai d'analyser les choses depuis tout le temps, je pense que ça vient des gens qui n'ont pas fait d'études, comme c'est mon cas, on travaille à l'intuition. Sans forcément avoir les référents, mais en tout cas avec une curiosité maladive qui fait qu'à un moment donné, je leur disais, mais c'est marrant, parce que ton restaurant est très bien, mais ton client est mal assis, ton client a froid. Et qu'est-ce que ça fait de s'asseoir dans ton restaurant? Donc, d'être plus à la place du client. Voilà, ouais. J'ai commencé à réfléchir à ça il y a 25 ans. J'ai commencé à leur parler d'expérience client. Je leur ai demandé de manger avec moi dans les restaurants qui montaient, comme des clients lambda. Alors c'était toujours assez drôle parce que le chef s'asseyant en disant on est mal assis sur ses chaises, il y a un courant d'air, pourquoi l'autre il bouge pas. Il disait c'est marrant, j'ai sorti au passe un plat chaud et puis finalement quand on me reproche qu'il soit froid alors que j'ai sorti chaud au passe, je lui disais viens t'asseoir avec moi. Alors on s'asseyait, on voyait qu'évidemment le plat chaud sortant était posé sur un guéridon, le serveur allait servir du pain, allait ouvrir une bouteille d'eau, allait dire bonjour à un monsieur qui arrivait, au revoir à un autre qui partait, repassait vers le plat, le prenait et l'apportait. Le chef fulminait sur sa chaise, je le tenais en lui disant ne bouge pas, il me disait mais complètement idiot, regarde le plat va être froid. J'ai dit, le plus intéressant dans l'histoire c'est que maintenant tu as compris pourquoi le plat qui sortait chaud du passe arrivait froid chez le client. L'envers du décor. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va travailler maintenant pour que le plat qui sort chaud arrive chaud. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, puisqu'il y a eu des milliers de petits détails qui ont été mis en place. C'était l'époque où on commençait à parler de saisonnalité. Donc, c'est aussi une époque où, dans mes contacts, certains grands chefs la portaient, cette saisonnalité, avec force et avec dynamisme auprès de la presse et auprès du grand public. Mais c'était loin d'être la majorité, et c'est encore loin d'être la majorité aujourd'hui. Et on a commencé à travailler sur la saisonnalité. Donc, c'était des choses importantes. Je leur disais, voilà, je pense que pour demain, avoir des fraises en décembre, c'est une aberration. Et je me faisais engueuler par certains chefs qui me disaient, ah, tu fais chier, il parie
Si j'ai pas de fraises, on va aller en face, manger leurs fraises et je vais perdre un client. Donc il a fallu travailler très longtemps pour que petit à petit, on rentre dans un format différent du restaurant, en ouvrant les cuisines, par exemple, avec un accueil différent. Moi, j'étais à l'époque où, je le dis dans le livre, un chef m'avait dit, en lui parlant de sa communication sur Internet, il m'avait dit clairement, un chef étoilé, arrête de m'emmerder avec ton truc d'Internet, de toute façon, dans quelques années, ça n'existera plus. Voilà, dans le monde dans lequel je me suis retrouvé à cette époque-là et sur lequel j'ai accompagné tous ces chefs, aujourd'hui pris par des chefs plus jeunes, plus habitués au réseau, les générations X, Y, qui sont nés et qui ont grandi avec ces réseaux. Je vous parle vraiment de chefs qui, encore aujourd'hui, hein, mais je peux vous donner des exemples de chefs qui m'avaient envoyé des photos, qui prenaient eux-mêmes dans leur cuisine en selfie pour une communication de presse. Enfin voilà, donc tout ça s'est mis en place sur l'accueil client et j'ai développé il y a 25 ans les premiers audits 360 degrés pour les chefs qui voulaient aller chercher l'étoile, qui avaient l'étoile qui voulaient conserver ou les étoiles, ou ceux qui n'avaient pas du tout envie d'aller dans le système étoilé, qui avaient envie d'avoir une bonne cuisine. Et ça a été très important cette expérience et moi ça a été du contact, du partage, de l'amour, de la réflexion. Je ne suis pas chef, donc évidemment l'audit en cuisine pure et dure sur le ratio, un chef est bien mieux placé que moi pour le faire. C'est pour ça que j'engage des chefs qui vont m'accompagner là-dessus. Quoi qu'avec 25 ans d'expérience, j'arrive un petit peu à le faire également. Mais par contre, il y avait un manque total qui était celui de la salle, celui de l'expérience, celui de la communication autour du chef. Comment tu as réussi justement tout à l'heure? Là, tu disais qu'un chef disait Internet dans quelques années, c'est fini. Là, aujourd'hui, moi aussi, je dis les réseaux sociaux, ça sert à rien. Comment tu as réussi à les faire changer d'avis là-dessus? Ils ont pris conscience aussi de voir que, à une époque, quand on voulait parler d'un restaurant qui ouvrait, on allait faire du flying, c'est-à-dire qu'on faisait une petite plaquette avec le nom du restaurant, la tête du chef, quelques plats. Ça coûtait très cher en impression. Et puis on engageait 2-3 jolies filles qui allaient dans le quartier autour du restaurant, qui allaient flyer, qui allaient distribuer des étudiantes souvent les flyers. Et on avait un retour d'un pour mille. Donc il y a une personne sur mille qui s'intéressait à la communication qu'on avait établie. C'est pas pour autant cette personne allait venir au restaurant. Et la chose la plus drôle, c'est qu'on a remarqué que par les réseaux sociaux, finalement, gratuitement, on pouvait commencer à toucher 3000, 5000, 10000 personnes sans leur expliquer forcément qu'on allait cibler même des gens qui avaient des profils qui pouvaient s'intéresser à leur cuisine, mais simplement dans l'idée de leur dire, voilà, là c'est gratuit et avec ce côté gratuit, je permet de te toucher 10 000 personnes dont mon retour sur l'investissement est bien plus intéressant que le flying. Et ils ont pris conscience de ça. Et puis, encore une fois, les chefs sont des gens intelligents qui savent se remettre en question. Donc, en voyant les nouvelles générations de jeunes chefs qui, tout d'un coup, faisaient la presse, prenaient de la place en communication dans les médias, ils voyaient bien qu'ils ils s'adressaient à une clientèle, une nouvelle clientèle, d'une autre façon, avec d'autres systèmes de communication. Et ils ont pris conscience de ça, on les a accompagnés. Il y a eu la création, il y a quelques années, d'agences qui ont commencé à expliquer aux chefs comment faire pour mieux renforcer leur communication. Mais il y a eu un long travail à faire, comme pour le côté saisonnalité, locavore, qui maintenant est à peu près établi dans la tête des chefs. D'accord. Donc c'est comme ça qu'est né le bureau d'études gastronomiques. C'est ça. Le bureau d'études gastronomiques est né... D'abord, il y avait Sébastien Ripari Consulting pendant des années. Et puis j'avais, en renforçant les équipes, j'avais plus envie d'être celui qui soit devant. Même si on continue à savoir que le bureau d'études, c'est évidemment, j'en suis le fondateur. J'avais envie de mettre aussi en avant comme une guilde de gens qui étaient capables de venir dans le bureau d'études pour apporter à chacun leurs compétences. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout faire, donc évidemment je vais distribuer des rôles à des gens compétents que j'ai identifiés et le bureau d'études, ça devient une équipe, une team plus globale, internationale, où j'ai des consultants, des chefs à peu près dans le monde entier que je peux utiliser. D'accord. Comme souvent... Je dis le système entonnoir, c'est-à-dire que je peux prendre n'importe quel chef en France aujourd'hui, l'appeler pour lui proposer quelque chose, mais quand je travaille avec un client, je vais commencer d'abord à savoir s'ils veulent un chef très connu, reconnu, régional, qui parle anglais, qui soit une fille, qui soit
qu'il soit un jeune chef, qu'il soit un chef plus reconnu, plus âgé. Et de ça, on arrive à faire l'entonnoir pour arriver à 2-3 profils de chefs qui correspondent le mieux à l'attente du client. D'accord. Et inversement. Ok, très bien. Alors, le journal La Tribune te nomme en avril 2014 pour la première fois l'homme qui murmure à l'oreille des chefs. Es-tu aussi leur thérapeute ? Ah oui, ça m'arrive. Et ça, c'est très drôle. D'abord, je remercie la journaliste qui, pour la première fois, utilisait ce terme de c'est l'homme qui murmure à l'oreille des chefs. Moi, il m'avait un petit peu, j'avoue, il m'avait un petit peu gêné parce que j'avais l'impression que ça donnait trop d'importance à qui j'étais. Et les gens autour de moi et nombreux chefs m'ont dit non, non, mais tu le mérites vraiment. Mais j'avais quand même ce petit côté gêné. Moi, je ne suis pas un homme qui a envie de me mettre en avant. Au contraire, le livre est sorti, mais ça fait des années qu'on me demande de faire un livre. Ça fait des années qu'on me demande de passer sur des émissions de télévision que je refuse. Je pense que dans le rapport que j'ai la chance d'avoir au quotidien avec de nombreux chefs, évidemment, on va commencer à parler d'un côté amical, cette force de l'humain qui fait qu'à un moment donné, foncièrement et par définition, je vais peut-être pas être leur thérapeute, mais je vais être une écoute, une oreille, un confident qui peut être l'ami, mais qui peut être également le professionnel. Et parfois, je vais leur répondre en ami. Et en même temps, je vais leur répondre en professionnel sur le positionnement. Et c'est vrai qu'au début de la crise du Covid, j'ai eu des centaines et des centaines de coups de téléphone de chefs, parfois très étoilés, de France ou de l'international, qui me demandaient des conseils, qui avaient peut-être juste envie de me parler de l'état dans lequel ils se trouvaient, me donnaient des confidences en me disant, tu sais, je suis dans un palace... Aujourd'hui, je vais bientôt le quitter, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de revoir ma cuisine, etc. Moi, je suis une tombe. Si je disais chaque fois ce que je sais et quelles sont les confidences des chefs, ou en tout cas leur volonté de changer, par exemple de quitter un grand palace, je serais celui qu'il faut suivre parce qu'il sait tout de tout. Mais ce n'est pas le but. Je pense que dans l'amitié, c'est quand on te... dit quelque chose, quand on te confie quelque chose, c'est très important de le garder, sauf s'il y a une demande vraiment du chef qui les communique dessus. Voilà, et cette confiance, elle est établie depuis 25 ans, elle fait partie de mon être profond, elle fait partie de la relation que j'établis avec les chefs, et jamais je ne trahirai leur confiance. Très bien, ok. Alors, qu'est-ce qu'un chef aime chez toi pour qu'il t'appelle dans son restaurant situé au bout du monde ? C'est comme quand on te demande tes principales qualités, c'est toujours très compliqué parce que si tu les dis comme tu les penses, on va dire qu'est-ce qu'il est prétentieux, et si tu fais de la fausse modestie, on va dire ah non mais qu'il arrête le ripari. Non, je pense qu'il y a une vraie volonté d'être dans l'honnêteté. Il y a cette phrase très jolie qui dit « c'est mon ami malgré tout que je connaisse tous ses défauts ». Il faut pardonner à l'autre. Beaucoup de choses dans l'amitié, c'est comme ça que ça marche. Et puis il faut être dans la réalité, dans la justesse, dans l'honnêteté, mais avec de la bienveillance. On peut dire à un chef que sa cuisine n'est pas au top le jour où vous la dégustez, mais il faut le dire avec bienveillance. Il faut analyser la situation pour savoir pourquoi elle n'était pas au top ce jour-là. Un chef, c'est un acteur de théâtre et pas un acteur de cinéma. C'est une personne qui tous les soirs monte sur scène et va refaire une représentation. L'acteur de cinéma, on prend la meilleure prise, il en a fait 10 et puis elle est sur pellicule. À vie, elle ne changera pas. Un chef, c'est un être humain, il est fatigué, il a des problèmes comme tout le monde. Il manque du personnel ce jour-là dans sa cuisine, donc il n'est pas forcément au top. Et il faut comprendre avant de lui expliquer les choses pourquoi. Et mettre de la nuance, et mettre de la bienveillance. Et je pense que souvent, quand ils m'appellent à l'autre bout du monde, c'est pour me demander de venir découvrir leur nouvelle carte, de découvrir leur façon de cuisiner, de les écouter me parler d'un projet. Voilà. D'accord, très bien. Alors, j'en déduis que tu voyages beaucoup, mais aujourd'hui, avec le Covid, que fais-tu ? Je rêve de voyager.
c'est très dur pour moi parce que l'année passée, j'avais plus de 25 voyages dans le monde avec plein de chefs. Je prenais Anthony Genovese, 2 étoiles Michelin romain. On allait à Marrakech faire un dîner sublime dans des écuries. J'emmenais Jacques Pourcel à Puerto Romano en Espagne, à Marbella, pour faire un événement extraordinaire. On passait par l'île Brando. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Elles se sont arrêtées. Ouais. Il a fallu que je réfléchisse à quoi faire. J'ai créé un festival l'année passée qui s'appelait French Kitchen et French Cocktail Festival. Grâce à notre partenaire, les Rhum Longto, grand rhum guadeloupéen, même meilleur rhum de Guadeloupe, on a réussi à inviter dans des restaurants étoilés plus de 630 soignants, gratuitement, qui ont vécu des expériences comme Arnaud Lallemand avec un repas 3 étoiles Michelin au Champagne. Les frères Pourcel, enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de chefs, Michel et Louis Chabran, il y a beaucoup de gens qui ont joué le jeu pour accueillir ces chefs, pardon, ces soignants. Ouais. Donc ça m'a occupé. Ensuite, là, je suis en train de travailler sur des nouveaux concepts de restauration. Et puis entre deux, ben, il y a eu un livre qu'il a fallu faire, qui n'était pas prévu, comme je pensais le faire, et qui a demandé beaucoup de temps. Parce que je voulais être le plus juste et le plus honnête sur les mots utilisés. Donc il y a eu beaucoup de relectures et beaucoup d'écritures. Et j'espère enfin, en tout cas, j'ai eu tellement de mots d'amour de chef. J'ai encore eu une jeune chef étoilée marseillaise ce matin qui m'a envoyé un très très joli mot sur la lecture du livre et sur ce que le livre lui a apporté. Donc j'ai reçu des lettres de beaucoup, beaucoup de grands chefs. Des lettres d'amour. Oui, il y a de l'amour dans ce qu'ils m'ont dit. En tout cas, moi, je l'ai pris comme de l'amour et ça m'a fait chaud au cœur parce que j'ai trouvé que c'était quand vous avez un chef 2 étoiles qui vous dit « tu es un vrai expert, j'ai jamais lu un livre, tu n'es pas chef et pourtant tu es celui, je pense, qui connaît et qui comprend mieux le chef, les chefs », ça vous touche profondément parce que c'est une reconnaissance de gens que j'admire. Là-dessus, je te rejoins. Alors, où se situe pour toi le meilleur restaurant du monde ? Sans le nommer. C'est la fameuse histoire du si tu pars sur une île déserte, quel livre tu vas prendre ? Le meilleur restaurant du monde, c'est celui que vous faites avec des gens que vous aimez. Peu importe ce qu'il y a dans l'assiette, enfin, si c'est meilleur et frais, c'est encore mieux, mais il y a un moment donné, je pense que... est-ce que je dois partager tout seul un grand cru de Bourgogne blanc ou est-ce que je partage un vin des amis avec des gens qui me sont chers et qui me sont proches, qui sont ce jour-là en forme, qui sont heureux dans leur vie, que leurs enfants, que leurs parents, que leur famille soient bien portantes et qu'on partage un moment de vie. Je pense que c'est ça et moi j'aime la cuisine. Un petit peu comme la vie d'un chef, quand il commence et qu'il sort d'une école, il a envie de montrer ce qu'il sait faire. Donc de plus en plus, il va cuisiner complexement parlant, il va aller chercher des goûts, il va vous mettre 6, 7, 8, 10 goûts dans une assiette. Puis ça va s'affiner petit à petit. Aujourd'hui, la cuisine que je préfère, c'est la cuisine la plus simple, la plus directe. Ça peut être des oursins en Martinique, autour d'un feu de camp avec 2-3 amis. Voilà, c'est vraiment... Et puis moi, dans mes goûts, je reste un méditerranéen d'origine, de sang italien. Donc, j'aime cette cuisine méditerranéenne. Alors, quand je dis méditerranéen, c'est la cuisine du Sud, parce que j'adore le Sud-Ouest, c'est pas du tout la Méditerranée. Mais pourtant, je trouve qu'ils ont cette même sensibilité. C'est les gens proches de la mer, c'est les gens qui sont du soleil. Et la plus belle cuisine... Elle commence en Israël, elle passe par le Liban, elle fait tout le sud de la France, elle est au Maroc, elle revient à Biarritz, enfin voilà, ce sont mes goûts. Je ne dis pas que je suis absolument fermé à d'autres cuisines, bien sûr que non, mais c'est la cuisine que je fais moi, donc c'est la cuisine qui me parle le plus, c'est la cuisine qui chante. Te ressemble. Voilà, qui me ressemble. Très bien. Quelle définition donnerais-tu au mot « manger » ? Alors, manger, c'est... Tu me fais 3 pour Paul. Manger, c'est vivre. Salut mes amis. C'est... Bonjour. Pour Paul. Bonjour. Manger, c'est vivre. Manger, c'est une obligation humaine
de survie. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que doit être la famine. C'est terrible d'imaginer ne pas manger, c'est-à-dire de mettre son corps dans une situation extrême qui peut te conduire à la mort. Manger, c'est vraiment humainement capital, on le sait très bien. Là, j'enfonce une porte ouverte, mais on a tendance à l'oublier. Et de temps en temps, la gastronomie, c'est sublimer cet acte obligatoire. En cherchant des valeurs, en cherchant des produits, en cherchant une histoire, une régionalité. Mais avant tout, l'acte d'amour, c'est donner à manger à quelqu'un qui a faim. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de plus beau que ça. Et je vais vous donner un exemple. Je vois certains chefs qui, de temps en temps, quand c'est possible, et je peux parler du chef avec lequel on est aujourd'hui, je l'ai vu, souvent ouvrir sa table aux gens de la rue. Et Christian, juste avant le confinement, le dernier confinement, je suis passé le voir et il a invité, assis à table, la petite dame qui est en face de l'autre côté de la rue qui fait la manche. D'accord. Et qui vient déjeuner. C'est beau. Et il y a d'autres chefs qui le font de façon totalement anonyme. Là, ils vont m'en vouloir de l'avoir dit, mais je pense qu'il faut rendre... Il faut rendre de temps en temps hommage à ce geste-là. Et ça, c'est la générosité d'un chef. C'est donner à manger. Et manger, c'est un acte obligatoire. Et donner à manger, c'est le plus bel acte d'amour qu'on puisse avoir à un enfant qui a faim, à un animal assoiffé ou affamé. Vous lui donnez à manger, vous lui dites par ce geste, je continue à estimer que ta vie est importante à mes yeux parce que je fais en sorte qu'elle continue pour toi. Très beau. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie en dehors de ton métier ? L'amour de ma femme, c'est vrai, je pense que... Madame t'accompagne dans tes voyages ? Oui. D'accord. Oui. Au maximum que ce que je peux. Tant mieux. Elle n'est pas du tout dans ce monde-là. Elle a écrit beaucoup de chansons. Elle est auteure de textes de chansons. Donc beaucoup de grands tubes pour Rogue Voisine, pour Patricia Cass. Et actuellement, elle est la coach vocale de l'Eurovision France. Voilà. Et l'année passée, elle était la coach vocale également de l'Eurovision. Elle avait co-écrit la chanson de Fonleb, qui représentait la France. Donc elle m'accompagne, et ce que j'aime chez elle, c'est également sa vision, alors qu'elle a été un peu modifiée, évidemment, en ayant accompagné sur les voyages et les grandes tables du monde, mais elle a une franchise absolue sur la cuisine, c'est-à-dire qu'elle sort complètement du snobisme que peut avoir une personne vivant trop dans le monde de la gastronomie moderne. Il faut aller chez tel chef parce que tout le monde en parle et qu'il est très connu, etc. Ouais. Elle est capable de me dire chez un très très grand chef, c'est pas bon, j'ai détesté, ça me plaît pas, j'ai pas trouvé ça intéressant. Et inversement, sortir d'un petit restaurant provincial où le chef a vraiment cuisiné du régional, des produits frais, et me dire mais quel moment magique, c'était délicieux. Et elle me permet de garder les pieds sur terre par rapport à ça. C'est important parce que je me laisse aussi porter par des chefs dont tout le monde parle, des chefs que je connais très bien, qui m'invitent gentiment dans leur restaurant où il y a 6 mois ou 1 an d'attente pour y aller. Et je suis presque porté par le bonheur d'y arriver. Et de temps en temps, je peux peut-être un petit peu me perdre également dans mes analyses, quand je les reprends derrière. Mais dans l'honnêteté, c'est normal. Et je pense qu'elle me rappellera. Appelle que la cuisine, c'est avant tout justement un acte qu'on a autour d'une table et que c'est pas forcément le nombre de followers ou la médiatisation du chef qui fera la différence. C'est bien, et comme on dit toujours, il y a toujours une dame derrière monsieur. Oui, c'est ça. Alors, comment vois-tu la cuisine de demain, surtout aujourd'hui ? C'est une question qu'on me pose souvent, sur laquelle je n'ai pas une réponse encore affinée. Et surtout, je pense que ceux qui disent « c'est comme ça, sera comme ça demain » ont prouvé depuis des années que souvent ils avaient tort. Les évolutions sont très compliquées. Je pense que ça fait quelques années que je parle des cuisines africaines. Je pense qu'elles vont prendre une place de plus en plus importante parce qu'elles sont très riches. On les limite à 2-3 plats identiques pour tout le continent africain. La différence entre un plat algérien et un plat sud-africain est énorme, donc aucun rapport, un énorme continent avec des cultures différentes.
Et je pense qu'elles vont prendre une ampleur parce qu'elles sont souvent basées sur l'aspect du partage, le fameux sharing anglais qui fait qu'on aura envie demain et encore plus après cette pandémie de se retrouver dans des lieux de partage où on va éviter d'avoir sa cuisine personnelle propre à lui, à soi, mais on a envie d'acter quelque chose par rapport à celui qui vous accompagne, ceux qui nous accompagnent. Donc on sera dans une cuisine de partage, ouais, une cuisine rapide, et alors une cuisine évidemment qui va être portée par une façon de consommer différente. Il y a quelques années, quand j'ai commencé pour la première fois dans le monde à demander à des grands chefs de travailler sur l'emporter avec un agrégateur très connu, beaucoup ont rigolé, beaucoup se sont offusqués en me disant « Ouais, Farid Paris, tu continues tes trucs, on n'est pas fait pour livrer de la cuisine gastronomique étoilée, ça ne marchera jamais. » Ceux qui me l'ont dit aujourd'hui publient sur les réseaux sociaux, alors pour d'autres raisons évidemment économiques, mais à fond qu'ils sont capables de le faire très bien. Et je pense qu'il y a une évolution obligatoire du mode de consommation qui va être adapté à une clientèle plus jeune qui perçoit la cuisine différemment de la façon dont on la percevait nous, c'est-à-dire à table. Mais attention, jamais, 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 quoi qu'il se passe, on pourra remplacer l'expérience assise dans un restaurant, parce qu'un restaurant, c'est une auberge, c'est un savoir-être, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-accueillir. Ouais. J'espère juste que par cette nouvelle évolution, les salles restaurants, les salles serveurs qui vous énervent parce que voilà, vous demandez un café, il faut le demander 6 fois, ils vous le jettent quasiment à la tronche à 3,50€ ou 4€ la noisette énervée, comprendront qu'aujourd'hui le client il a aussi le droit à un certain accueil, à un savoir-être. Dans la prestation qu'il va consommer. Et toutes ces évolutions vont se mélanger. On restera de toute façon sur la vraie expérience culinaire à table du restaurant bistrot ou gastro 3 étoiles, mais on va évoluer sur la façon de consommer peut-être à la maison. Mmh. Ok, très bien. Alors, c'est une question, j'espère que ça ne t'arrivera pas. On t'annonce que tu vas mourir demain. Oui. Ton dernier repas, ce sera quoi ? Ça sera avec mes proches, le dernier repas de Brel, ouais. Mon dernier repas, avec mes proches, autour de moi, et je vais être affreusement snob, pardon, mais je prendrai du caviar en entrée, un caviar iranien, salé à la main, quelque chose de très spécifique, et puis je crois que je me ferai un risotto à la truffe blanche. Et en dessert, des pâtes de feu. Voilà le summum. Alors, il y a du très cher et du moins cher. C'est pas le propos de l'argent. C'est juste que ce sont des produits, quand je les mange, j'ai des frissons. Et j'ai eu la chance de manger beaucoup de caviar différents et beaucoup de trucs blanches cuisinés différemment. De Enrico Crippa, grand copain à moi, 3 étoiles à Alba, cœur même du Piémont, donc la base des truffes blanches, à des truffes qu'on trouve en Croatie du Nord, en Istrie. La truffe me fait quelque chose d'unique, blanche, la noire aussi, mais la blanche est vraiment spécifique, et puis les grands caviars, et puis les pâtes de fruits, je trouve que les Belges sont très bons, les pâtes de fruits, je rentre de Bruxelles, j'ai été en acheter plein. Voilà, c'est... Et en boisson ? À vin ? En poisson. Boisson. Ah, en boisson. Je me prendrais un blanc de Bourgogne sur un Montrachet. Un blanc de Bourgogne avec ce côté. Vraiment, ce serait ça. Ouais, je suis en train de boire mon repas et je salive en t'en parlant. Ça se voit dans tes yeux, ouais. Ça se voit. Que penses-tu de la nouvelle édition 2021 de Michelin ? Alors, les gens savent très bien que j'admire le Michelin pour ce qu'il a été. J'ai toujours respecté les chefs qui ont été récompensés par une étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Tous les chefs qui ont été récompensés méritent par leur travail. Après, pas forcément avoir à mon niveau l'estimation de l'étoile qu'ils ont reçue.
Ça, c'est un autre débat, surtout que je connais certains chefs, je sais comment ils fonctionnent et comment ils travaillent. Bon, il y a discussion en la matière, mais en tout cas, bravo à tous, toujours, d'avoir été récompensés par le Michelin. J'ai vraiment suivi l'histoire du Michelin et j'ai eu des copains qui étaient patrons, présidents du Michelin. Je pense qu'aujourd'hui, ce guide référent devient, à force de vouloir exister dans tous les sens et porté par des égos parfois surdimensionnés de certaines personnes qui en ont pris les rênes, un guide de communication, marketing, pas proche des chefs du tout. Vous vous rendez compte que le moment où la pandémie est sortie, le Michelin n'a envoyé aucun mot. Aucun chef. Ah bon, je crois que la première lettre, c'était au mois de juin. Il n'y a pas eu un petit laïus en leur disant « Vu ce qui vous arrive, nous sommes là pour vous accompagner. » Ensuite, la deuxième aberration, c'est comment vous pouvez enlever une étoile à un chef qui a eu 2 mois et demi d'ouverture dans des conditions extrêmement difficiles. Enlever une étoile, pas sur quelqu'un qui vous a appelé en vous disant « Attention, je vais changer de concept ou je vais fermer mon restaurant », mais enlever une étoile, quelqu'un qui… À un moment donné où la personne se retrouve dans une situation financière extrêmement compliquée, avec une problématique personnelle, et comme espèce de porteur de la mauvaise nouvelle la plus absolue, arrivé, je suis Michelin, voici mon couteau et je vous poignarde dans le dos et je vous mets à mort. C'est une aberration. Le guide n'existerait pas sans les chefs. C'est vrai. Quoi qu'ils veulent en dire, sans chef, il n'y a pas de guide Michelin. Ils sont partis sur l'histoire de vendre des pneus. La base du guide Michelin, c'était d'utiliser au maximum sa voiture pour pouvoir user ses pneus pour en racheter. On est parti sur une vraie évolution là face à toi. Quand je parle, j'ai 150 guides Michelin, 59, 74, 86, voilà. Je pense qu'il est référent, il a été référent, il a été extrêmement important pour la gastronomie française et mondiale. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils arrêtent leur connerie de communication. Faire fuiter volontairement le fait que Paul Bocuse perde une étoile, alors qu'on sait très bien, rien ne fuite au Michelin. Ça fait des années que certains prétentieux journalistes disent « J'ai des informations d'avant, je vais le savoir, un tel va perdre son étoile, l'autre va prendre 3 étoiles. » Et vous voyez, quand le guide sort, tout est faux. Par contre, d'avoir laissé fuiter volontairement, je le pense et je le signe, cette information, pour ensuite faire le buzz autour, aller sur les plateaux de télévision en disant « Oh là là, oui, alors voilà mon avis, moi… » Arrêtez, c'est vital. Donc, il y a 2 erreurs. D'abord, c'est une stratégie marketing extrêmement mauvaise, pas bienveillante pour les chefs. Et puis surtout, qu'on m'explique comment on a pu enlever des étoiles à des gens qui en ont besoin aujourd'hui. On aurait pu faire un Michelin blanc. Au lieu du rouge, on aurait pu récompenser certains qui méritaient de monter en étoile. Tant mieux, il y a eu beaucoup de chefs qui ont pris la première étoile cette année. Mais surtout respecter ceux qui ont souffert. Parce que je n'arrive pas à comprendre que sur 2 mois et demi d'exploitation, on puisse imaginer que le niveau de la cuisine soit plus au niveau de l'année passée. Sachant qu'en plus, la problématique, c'est peut-être que le chef n'était pas en phase à ce moment-là avec sa cuisine, avec les problèmes qu'il avait eus et surtout ceux qu'il allait avoir derrière. Très bien. Alors, quelques questions courtes. J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Je voilà. M'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a ? Sucré ou salé ? Sucré jusqu'à 25 ans, salé depuis 25 ans. Et quoi, alors, salé ? L'apéro. Les choses de l'hôpital, Eric, le partage, non, le salé apéro. D'accord. Resto du coin ou gastro ? Un seul là, pardon. C'est normal, tu as bien les deux. Ouais, encore une fois, les deux, j'ai pas de réponse à ça. Je sais pas avec qui on est et le temps qu'on a envie de passer, et voilà. Mais le gastro, le bistrot du coin peut être gastro. Ouais, tout à fait. Il faut faire les deux. Est-ce que tu es petit déjeuner, déjeuner ou dîner ? Je suis dîner. Pourquoi ? Parce que je suis moins con le soir que le matin.
Le matin, je prends du temps pour me réveiller, je suis moins smart, voilà, et je pense que je me trouve moins con le soir, c'est ce que je te dis. C'est comme ça, mais c'est vrai que les livres que j'ai écrits avant, dans une autre vie parallèle où j'écrivais d'autres livres que de la gastronomie, c'est les livres que j'écrivais la nuit. Je commençais à me réveiller et à me mettre à l'ordinateur à 20h et je finissais à 4-5h du matin. Par contre, le matin même, moi j'avais la hantise dans ma vie, c'est de faire des réunions avec des jeunes cadres dynamiques qui donnent rendez-vous à 8h du matin au café en te parlant de trucs sur la façon dont tu vas communiquer, la nouvelle stratégie bipolaire de... le matin, je bois un café, j'entends à peu près blablabla avec les gens qui me parlent et ça s'arrête là. Très bien. Ton péché mignon qui te fait craquer. Il y en a plein. J'ai toujours décidé de craquer pour ce que je voulais. Donc, j'en ai plein. C'est, je te dis, ça peut être la pâte de fruits, ça peut être une cuillère de caviar, ça peut être un bon pain au chocolat du matin. Tu aimes tout. Ouais. J'ai pas de. Okay. C'est ça le problème. Alors, que détestes-tu le plus dans la vie ? En cuisine ou chez les autres ? Chez l'humain, hein, ça peut être l'humain. Je pense à la méchanceté. Mmh. Mais c'est un peu comme si j'étais Miss France et je disais un monde en paix. Ferez-vous demain un monde en paix ? Mais la méchanceté, le fait d'attaquer des gens juste par méchanceté ou par plaisir, c'est pour ça que je déteste. Je ne suis plus du tout sur Twitter, par exemple. Je trouve que c'est... On a le droit d'avoir son avis, on a le droit de l'exprimer, c'est normal, mais on ne doit pas se cacher derrière des pseudos pour balancer des choses immondes sur des gens sans le savoir, sur des ragots. Je ne comprends pas la méchanceté. Moi, j'essaie d'être toujours gentil, je ne critique jamais personne, pourtant je pourrais le faire, je ne vois pas l'intérêt. Ou alors si je critique la personne, je fais ma critique face à cette personne, en direct, en lui disant « voilà, je ne t'aime pas ou je n'aime pas ce que tu as fait », pour qu'elle puisse répondre. C'est comme dans un divorce, hein, on vous appelle en disant « je ne peux plus la blairer, je ne peux plus le blairer », on vous demande de prendre parti, il y a de la faute des deux côtés, il faut savoir ménager les informations pour arriver à la synthèse, pour savoir à votre point de vue, encore une fois, que vous en pensez. J'aime même pas la méchanceté, j'aime même pas la méchanceté globale, la méchanceté sur les gens faibles, la méchanceté sur les animaux, c'est une chose qui est, et puis surtout cette méchanceté presque reconnue aujourd'hui internationalement. Waouh, c'est génial, il est très très méchant ce mec, il dit des choses très méchantes sur tout le monde, c'est un mec super, non, c'est un sale con. Ta phrase philosophie. Outil non abouti, use de tout mais n'abuse de rien. D'accord. C'est tout à fait moi. N'abuse de rien est plus compliqué à gérer que use de tout. C'est un peu la ligne, mais ouais, okay. Use de tout, n'abuse de rien. On arrive bientôt à la fin. Est-ce que ne rien faire t'ennuie ? Alors. J'ai regardé et tu n'arrêtes pas. Est-ce que tu aimes ne rien faire ? Ou est-ce que ça t'ennuie ? Il y a un seul endroit. Où je me sens bien à ne rien faire, c'est vraiment au bord d'une piscine au soleil. Alors ne rien faire, ça veut dire pour moi, ça veut dire une heure où effectivement je ne fais rien, ou une heure dans laquelle je prends le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Je ne sais pas rien faire, mais si je peux parler de cette heure où je suis posé sur mon transat, avec du silence autour de moi, avec une belle vue au soleil, ça me met dans un état où je souffle. Peut-être c'est le seul moment où je me repose vraiment profondément et j'arrive juste à laisser passer mes pensées et à réfléchir. Je pense que c'est ça. Ouais. Autrement, non. J'aime. Alors, par exemple, je ne sais pas bricoler, je suis incapable de planter un clou. Ou alors je le plante sur mon doigt ou sur celui qui tient le clou. Enfin bon, il y a des choses que je ne sais pas faire, qui occupent beaucoup. Et malheureusement, parce que de temps en temps, j'ai besoin d'être un peu plombier comme tout le monde, un peu électricien. Je ne sais pas faire ça.
Donc du coup, mon inaction, elle n'existe pas, mais aussi elle, on a l'impression qu'elle existe, elle est dans la réflexion, pour préparer quelque chose à venir. Mais la vie est courte, elle peut s'arrêter demain. Oui. Si le bus, au moment où il va m'écraser, je tourne la tête et je comprends à cet instant précis que je vais passer dessous, je vais dire, merde, j'avais encore plein de choses à faire, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses par rapport à la vie, le chemin de la vie que j'aurais dû prendre quand j'avais 15 ans. Ma dernière question, un mot pour te définir. Alors, je dirais presque, finalement, il est sympa ce mec. Je confirme. Merci Sébastien. Merci beaucoup Sébastien. Oui, bonjour, c'est Stéphane Etcheverry, donc je suis journaliste à BFM TV et ami de Sébastien Ripari. Voilà, je voulais parler en quelques secondes de son bouquin que j'ai vraiment parcouru avec énormément de rapidité, tellement il m'a inspiré, tellement il ne m'a pas surpris du personnage. C'est vrai que moi, mon appétence et mon amour pour le monde de la gastronomie m'a immédiatement refait découvrir cet univers et conforté de ce que j'en pensais. C'est vrai que le bouquin de Sébastien résonne particulièrement sur la vie que je peux avoir de ce métier et à quel point sa relation et sa proximité avec les chefs m'a vraiment impressionné quelque part parce qu'il arrive à actionner tous les leviers qui permettent d'accompagner tout simplement un chef, de l'accompagner, de l'écouter, de le conseiller, finalement de le coacher, quoi, parce que ce métier est un métier extrêmement difficile et on est souvent seul, même si on est nombreux dans sa brigade, dans son restaurant, avec tout son personnel, on est souvent seul, on est souvent chef d'entreprise, on avance comme ça, on sait pas trop comment, la clé du succès, la voie de la réussite, et puis c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça, un pilier, quoi, une balise qui peut venir en appui, qui peut venir donner la petite parole, le petit conseil, le petit geste, le petit mot qui va faire avancer. Non, vraiment, c'est un mélange de ce que j'aime, c'est-à-dire de la proximité, le sport, le soutien, quelque part, et puis, voilà, cette sensibilité qui ne le quitte pas. Donc vraiment, moi, je me suis beaucoup retrouvé dans ce bouquin parce que ce que j'en retire, c'est exactement ce que je pense quand je rentre dans un restaurant. Il a quelque part cette approche de regarder, de sentir, de voir, pas simplement de manger, mais de s'imprégner de tout ce qui se passe autour pour essayer de l'améliorer. Donc vraiment, une réussite à 100% pour moi et un bouquin vraiment très très inspirant et réconfortant même, parce que souvent ce qu'on pense quand ça se traduit dans les mots, eh bien on se dit qu'on est souvent pas loin de la vérité. Voilà.